Dans une petite ville, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Paul. Paul s'ennuyait par sa ville comme un enfant. Un jour, après qu'il rata son examen, il décida d'être comme son père et de vivre la vie comme un adulte. Quand je suis un adulte, je pourrai faire tout par moi-même, Paul pensa. Je ne peux pas attendre. Je vais aller à la vie maintenant. Il empaqueta ses choses et partit. Paul marcha à la ville avec un grand sourire. Il était passionné et anxieux à arriver. Il suivit la rue et imagina la vie comme un adulte. Oh là là! Exclama Paul quand il arriva. Il était dans la rue de ses rêves. Il pouvait manger bonbons tous les jours. Il pouvait vivre les meilleurs films de la siècle. Et il pouvait obtenir un nouveau style. Mais il avait besoin d'argent. Au milieu de la ville, Paul vit un vieil immeuble. C'était une chaise du journal. Paul eut une idée. Je sais, je vais devenir un livreur de journaux. Alors, Paul fut embauché comme livreur de journaux. Il aimait son travail et il était un très bon travailleur. Chaque jour, il vendit plus de journaux que tout autre livreur. Le patron de Paul était très impressionné par son grand travail et il lui offrit le poste de président directeur général. Sous la direction de Paul, l'entreprise devint l'un des meilleurs journaux dans toute la France. Mais Paul commença à manquer son domicile. Il se souvenait de sa maison et ses parents. La vie comme un adulte n'était pas que ce qu'il voulait plus. Après une longue période de temps, il décida de revenir à son ancienne vie. La décision était difficile, mais il retourna à sa maison. La grande ville n'était pas le paradis qu'il supposait, et il n'était pas un adulte. Il était juste un gamin. Lorsque les parents de Paul le virent, ils crièrent son nom et l'étreignirent. « Tu nous as manqué tellement !» ils dirent. « Je ne pense pas que je veux être un adulte déjà, » Paul dit. « Je serai un enfant un peu plus longtemps. »